siège dimanche après la Pentecôte, et puis également donc là, nous fêtons à Sainte-Marthe, bien sûr. Hein. Donc, il fait partie des amis de Béthanie, parce que c'est une vénération particulière pour eux. Et ce sont nos protecteurs, donc voilà, Sainte-Marthe est en bonne place au milieu de l'Église. Et vous dire aussi que donc l'homélie se fera par contre sur l'intendant avisé, donc l'homélie du 8e dimanche. Vous avez aussi, pour suivre la liturgie, je vous le rappelle encore, vous avez ce petit feuillet qui est disponible à l'entrée de l'église et qui vous permet de suivre les textes et de participer comme vous le devez faire, comme vous le devez, à la liturgie. Bonne liturgie, bonne fête de Sainte-Marthe et à tout à l'heure. Oh,
Prends ton billet, assieds-toi et écris vite
sans mesure de blé, dit-il. Il lui dit, prends ton billet et écris 80. Et le maître loua cet intendant malhonnête d'avoir agi de façon avisée. Car les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous dis, faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin qu'au jour où il viendra manquer, ceci vous accueille en étant éternel. Louange à toi, ô Christ, louange à toi. Saint le Seigneur, nous puissons, qui était, qui est, qui vient. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, asseyez-vous. Comme l'a dit Mère Basile, aujourd'hui, nous fêtons Saint-Marthe. Nous refoutons Saint-Marthe en question pastorale. Sinon, nous l'avons fêté vendredi. Saint-Marthe, lui, avec Marie-Madeleine, Saint-Lazare, Sainte-Sarah, et Manon, et d'autres amis. Ils sont arrivés en bateau à Sainte-Marie-la-Mer. À un moment, certains se sont dispersés, voilà, dans la Provence de Gaulle. Sainte-Marthe est arrivée à Tarascon. Alors, on raconte, la légende dit que Sainte-Marthe a chassé la terrasse. Près du Rhône. D'où vient la ville de Tarascon? Donc on verra tout à l'heure, à la fin de la liturgie, que Sainte-Marthe nous terrasse nos ombres intérieures et nos ombres extérieures, et qu'elle nous protège. Bienvenue dans la plus étonnante parabole de la vie. L'intendant gérait mal, même malhonnêtement, ce qui ne lui appartenait pas, et pourtant la réaction de son maître lui paraît choquante. Il le félicite. Cette anecdote évangélique aux allures de faire diverses, nous avons l'impression de l'avoir vu hier ou ce matin dans notre journal. Fausse facture, délit d'initié, double billetterie, dessous de table ou pot de vin, abus de biens sociaux et financement en compte. Cette histoire de gérant malhonnête ressemble à s'y méprendre aux affaires d'aujourd'hui et de toujours, hélas. Le prophète Amos, en son temps, vituperait ceux qui achètent le pauvre ou une paire de sandales et vendent jusqu'aux déchets du froment. Ce rapprochement avec notre actualité
achève de nous mettre mal à l'aise et perplexe sur la signification de cette parole. Ce gérant incapable et malveilleur serait mis en examen pour faux et usage faux. Nous sommes surpris d'entendre l'Évangile faire son éloge, ou du moins l'éloge de son comportement. Soyez aussi avisés que nous pour vous faire des amis en vue du royaume. Les historiens font remarquer que les intendants de cette époque n'étaient pas payés directement. Ils aménagèrent leur salaire sur le dos des clients de leurs employeurs, en majorant d'autant d'aides et d'intérêts. Si cette explication, difficile à vérifier, est exacte, l'intendant, en réduisant la dette des débiteurs, aurait simplement renoncé à la commission qui se destinait. Dans ce cas, il s'agirait d'un détournement honnête. Mais l'essentiel de cet évangile est ailleurs, que dans les faits divers. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire par cet étrange récit? L'imminence renvoi du gérant de la parabole est destinée à nous faire réfléchir sur notre propre vie. Nous ne sommes pas, en effet, assurés d'être en parfaite sécurité à tous égards. Nous vivons sous l'imprécise et néanmoins constante menace d'événements subis qui peut tout bouleverser. Une maladie, des difficultés familiales, des accidents, des conflits locaux ou mondiaux, etc. Bref, nous vivons dans une sorte d'insécurité. Sur quoi nous appuyons nos certitudes ou nos insouciances actuelles peut vaciller à tout moment. Il nous faut trouver la plante de salut sans tarder. Vite, dit l'Évangile. Le gérant de la parabole a su faire face à une urgence dans sa vie. Nous aussi, nous sommes instantanément invités à nous montrer attentifs et avisés. Mais d'une façon intègre, en fils de lumière. Nous recherchons l'amitié de Dieu, richesse suprême, qui nous établit dans la vraie sécurité d'être accueillis dans les demeures éternelles, dès maintenant. L'Évangile nous suggère également que la qualité des relations humaines, amour, amitié, solidarité, soit une sécurité supérieure à l'aliénation d'un compte en banque. Bien entendu, nous avons la conscience d'être des légitimes propriétaires
de ce que nous possédons, mais à y regarder au plus près, nous constatons que notre avoir est provisoire et relatif. Nous n'avons rien en arrivant sur terre et nous repartirons dépouillés de nos biens matériels. Un linceul n'a pas de poche. Nous avons certes acquis ce dont nous jouissons, mais d'une certaine manière, nous ne sommes que les dépositaires actuels. C'est sur ce point que nous trouvons sans doute le clin d'œil de la parabole. Le gérant est généreux avec l'argent de son maître. Étrangement, celui-ci l'en félicite, comme s'il se réjouissait finalement que son intendant ait allégé les créances de pauvres bourreaux surendettés, au lieu de le gaspiller comme le faisait auparavant. En échelant la tête des pays pauvres, les pays industrialisés ne font pas grand-chose aujourd'hui. Cela change singulièrement les perspectives. Nous avons à nous comporter dans l'usage des biens matériels en attendant de Dieu. Nous devons nous montrer bons et généreux avec des biens dont nous déclarons légalement propriétaires et qui, en fait, sont ceux de notre Créateur et Maître. Il nous les a confiés, non pour en user et abuser égoïstement, mais pour un usage solidaire. Par deux fois, j'ai vu en moi cette expression argent trompeur. La richesse matérielle est une façade qui, pour somptueuse qu'elle soit, ne garantit pas qu'un homme soit foncièrement bon, intelligent et heureux. Il est souvent un décor qui attise des ennuis et cache parfois des misères morales et spirituelles. La vraie valeur d'un homme ne se mesure pas à ses avoirs. L'argent est trompeur, en effet, car il fait croire aux pauvres que leur vie est sans intérêt, parce qu'ils sont sans revenus. L'argent est trompeur. Au lieu de servir, il peut asservir. Quand il s'empare d'un être humain, il devient son maître et son Dieu. Il provoque en lui de terribles dégâts, à l'instar d'une drogue. Le cœur devient dur, impitoyable, insensible à toute morale. L'argent peut combiner un environnement intérieur. Il pousse alors aux pires injustices
et malheureux d'être. L'homme, ainsi possédé, devient un esclave, un pauvre homme. Pour et au nom de l'argent Dieu, que de désordre meurtrier sur notre planète, guerre, drogue, prostitution, exploitation. Cet argent-là est capable de tout détruire. Couple, famille, relation. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon, c'est-à-dire le Dieu de l'argent, dit Jésus. Dieu libère, l'argent tyrannise. C'est le sommet de la parabole. L'Évangile nous invite à faire un bon placement de nos avoirs. Les banques nous déchargent pour nous souscrivons, pour que nous souscrivons un PEA, plan d'épargne en action. Dieu, lui, nous propose d'investir dans les PEA, plans en bonnes actions. Pour le docteur de l'Église, Jean Chrysostome, l'économe fidèle est celui qui s'est dispensé avec la parole divine et les miracles tels les pasteurs de l'Église. Jean Chrysostome, dans son étude de l'Évangile de Matthieu, dit que le titre d'économe fait aussi référence au puissant monde, au roi qui doit aider les peuples. Le saint rappelle que nous sommes des dispensateurs des richesses spirituelles et matérielles, et non les véritables propriétaires. L'archevêque dit aussi que la punition pend au nez de la vague. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le
Notre de Dieu, Emmanuel, notre président, et la servante de Dieu, Élisabeth, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Je pense à mes soucis,
invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable. Et moi, par contrainte et digne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, qu'Éternel au Père et à l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Que Dieu vous pardonne. Et de tous les apports de l'Évangile, ses disciples du Seigneur.
Silas, Rina, Gina, Christy, André, Alvary, Joseph, Aimé, Saint-Simon, Zoé, Pierre, André, Sébastien, Lucette, Annie, Miron, Georges, Jérôme, Lucas, Martine, Liliane, Lucille, Lucille, Prêtre Claude, Prêtre Régis, Père Pierre-Joseph, Père Denis, Père Georges, Elisha, Elisheva, et de tous les serviteurs des femmes dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Paul, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous sommes en particulier d'eux, Marie, Pierre, Antonin, Sophie, Madeleine, Catherine, Daniel, Marie-Sabane, Nora, Michel, Michel, Bianca, Yoël, Aurore, Paolo, Myriam, Jean, Marie-José, Jean-Jean, Joseph, Myriam, Marceline, Gaëtan, Pimina, Elsa, Alexis, Marie-Solie, Philippe, Michaela, Gabriel, Sosine, Blanche, Mathia, Julia, Dominique, Jean-Marie, Brigitte, Sadi, Claudine, Romain, Zoé, Milan, Père-Joseph, pour une aide au Père et au Père.
Devant le silence, mystère de foi, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Et avec ton esprit, et le bon cœur, nous élevons vers le ciel. Thank you.
Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que quand nous nous avons prié avec toi, Dieu très grand, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les enfants de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps. Et le sang de ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance incessante, bienvenue de ton Saint-Esprit. Amen. Que c'est bon pour faire la vie d'un rêve au grand monde. Le royaume céleste a une grande vie. Par qui nous prenne le jour et puis nous supplier créer. Sanctifie ce qui est béni et désigne le futur qui est sanctifié. À toi, Père puissant, le Verbe Seigneur est béni. Amen. Na sole mi libe Dio.
Je le prie, notre Dieu, l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui vit et se convertit, vous bénisse et vous pardonne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous pense à Dieu, mon Fils, pour que vous pensez à l'Église, le Fils de Dieu vivant. Yeah.
Très chers frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le bénisse éternel, rendant sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qu'ayant reçu le cœur sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Nous avons
Et demeure à jamais.